Et dans H1 point, l'énergie est UT de R égale U1 de R, et dans L2. Voilà. Alors, on a la dichotomie suivante, trois possibilités. Première possibilité, donc je rappelle quelque chose que j'avais énoncé au premier cours. Soit les solutions explosent et la solution explose de façon classique comme en sous-critique, c'est la norme énergétique tend vers l'infini. Donc là, c'est une explosion non géométrique, type 1. Donc il existe un temps T fini. Donc explosion type 1 en temps fini. En temps fini. Tel que la norme H1 la norme énergétique tend vers l'infini. Quand T tend vers l'infini. Alors, soit l'explosion est de type géométrique, que j'appellerais type 2, et on a explosion, donc il y a explosion. Alors, l'explosion dans l'espace-temps, hein, en espace-temps, en norme L8, en temps fini. Ok. Hein. Donc je rappelle la définition. La norme L8 0 grand T 3 R3 est égale à plus infini. Alors ceci, comme l'exemple de Krieger-Schacht-Atterwood n'implique pas forcément que la norme H1 explose. Hein. Et en fait, voilà. Et donc, dans ce cas-là, on a aussi cette norme égale plus infini, mais de plus, on a la chose suivante. On a la norme H1 est bornée. Et en fait, c'est même beaucoup plus précis que ça. On a la décomposition en bulles. Donc il existe un nombre fini J strictement positif appartenant à grand L entier. Il existe un fond à l'explosion V1, V2 dans l'espace d'énergie, à fin point fois L2. Tel que la solution se comporte de T moins je vous donne une grande parenthèse une somme de bulles découplées donc les signes peuvent changer donc je vais mettre un signe IJ mais c'est un signe c'est plus ou moins 1 lambda j i puissance 1 demi w x sur lambda j de t. Alors, je vais écrire ça sous forme vectorielle plus v0 v1. Je ferme la parenthèse et la norme de tout ça dans l'espace d'énergie tend vers 0. Donc, la solution se comporte comme une fonction fixe et les bulles qui se concentrent. Alors, j'ai oublié de dire que ça se concentrait. Donc, vous avez lambda de T qui est à différentes vitesses, mais il n'y a pas de croisement. Et ceci est négligeable devant T moins T. Donc,
essentiellement, par exemple, vous faites un schéma, là, vous avez un V0, V1, voilà, et vous avez un rescalier de W, par exemple, une seule bulle. Hein, ça serait le cas typique. Hein, donc, le cas typique, c'est J égale à 1. Mais par contre, J ne peut pas être égal à 0. Hein, sinon, la solution tendrait fortement vers une nouvelle donnée initiale et on pourrait prolonger la solution à nouveau au-delà du temps d'expression. Bon, ça, c'est pas bon. Hein, J est strictement positif dans ce cas. Alors voilà, ça c'est le deuxième cas. Je vais essentiellement me concentrer en fait. Donc les outils sont similaires. Le deuxième cas va être très proche du troisième cas et je me concentrerai sur le troisième cas, tout simplement. Je vais vous considérer le troisième cas, c'est le cas où la solution est définie pour tout temps. Donc x de t est défini pour tout temps, quel que soit t positif. Pour l'instant, j'ai figé l'équation est réversible, donc je travaille que pour t positif et les mêmes théorèmes peuvent se démontrer pour t négatif. Voilà. Et donc, j'ai essentiellement la même chose, sauf que je vais peut-être changer de couleur si c'est possible. Non, ce n'est pas possible, tant pis. Donc, j'ai la même écriture. Donc, cette fois-ci, il existe J appartenant à N. J peut être égal à 0, tel que la solution U de T moins la somme de J, donc j'ai la même quantité. V0, V1 est remplacé cette fois-ci par la solution linéaire. Alors, je crois que je vais avoir noté S de T, si je m'abuse. La solution linéaire, la dernière fois. Oui, c'était ça. Ou alors, je vais juste garder mes notations par rapport à une solution linéaire de l'équation des ondes. VL de T. Voilà. Et à nouveau, ceci tend vers 0 dans la champ fois 2. Quand t tend vers plus infini. Voilà. Et j'ai la même configuration. Voilà. Lambda J de T. Et cette fois-ci, les lambdas ne peuvent pas aller vers l'infini trop grand, essentiellement. Donc c'est. Et la borne cette fois-ci, c'est T. Voilà. Et ceci, c'est une solution linéaire de l'équation. Voilà. Bon. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va tout de suite essayer de comprendre. Quels sont les problèmes majeurs pour démontrer un tel résultat? Juste une chose, c'est quoi la taille de croissance de la solution linéaire en 3D? Alors, en 3D, la décroissance dans L8, c'est ça ou... Non, dans L'infini. Ah, dans... la solution linéaire dans L'infini, alors attention, donc elle est bon, alors c'est radial, mais il y a un gap entre T et la décroissance de la solution linéaire. Attention, T c'est juste le support hein, de W. Donc en or machin, moi je mesure tout en or machin, c'est que des constantes. Si tu veux, c'est un sur T, en fait. Hein. C'est la oui, mais en norme à l'infini, si tu veux... Mais la norme à chaque point. La norme à chaque point, pour une solution linéaire, c'est une constante. Hein. D'accord. Hein. Voilà. Et si tu veux... Mais concrètement, on ne peut pas parler... alors, pour les solutions radiales, d'accord. Donc,
en dehors du support, pour x plus grand côté, disons. Mais tel quel, je travaille que dans l'espace d'énergie, je ne travaille jamais dans l'infini, jamais. Même si ça peut m'aider de quelquefois pour certaines estimations, ce n'est pas la bonne façon de voir le problème. D'accord ? Parce que je suis en train de souffrir énormément pour faire une théorie critique dans l'espace d'énergie. Et donc, c'est interdit. Je ne peux pas me le permettre. Bonjour. Donc, en fait, vraiment, donc voilà, un peu le problème sur lequel je veux me concentrer. Alors, en fait, ce que je vais me concentrer, peut-être ce cas-là est très proche de celui-là, mais pas exactement pareil. Donc je vais me concentrer vraiment sur ce cas-là. Donc je vais considérer une solution globale et je vais essayer de comprendre et essayer de démontrer ça. Donc je me concentre que sur cette partie-là. Alors, quels sont les ennemis à éviter pour démontrer un théorème ? C'est qu'en fait, c'est essentiellement le cas quand il y a des interactions d'objets de différentes tailles. Je vais prendre un cas particulier. Donc, prenez comme donnée initiale une fonction qui est normale pour... U de R. Maintenant, je veux comprendre les interactions. Je veux comprendre l'interaction de cette dynamique. Donc ça, c'est une première fonction que je vais appeler U aussi. Avec une solution beaucoup plus concentrée. Alors celle-ci vivra dans une échelle qui sera epsilon, très petite. Alors, la théorie critique va pouvoir me dire que je pourrais suivre les interactions par des calculs explicites pour un temps essentiellement de l'ordre de epsilon. Mais moi, je veux suivre les interactions pour tout temps, quelque sorte. Donc, ça a l'air contradictoire. Je veux relier les propriétés asymptotiques de la solution avec donnée initiale U1. Donc je veux relier les propriétés pour la solution pour donnée initiale U1 et pour celle-ci. Alors après, donc c'est un peu contradictoire parce que je vous ai dit je veux faire comprendre des choses reliées cette solution avec ses données initiales avec celle-ci. Or, je peux facilement calculer les interactions juste pour des petits temps, mais moi je vais aller à plus infini. Alors, le principe de base de toutes ces démonstrations est le suivant. C'est utiliser qu'on a l'équation des ondes. Alors l'équation des ondes a une vitesse de propagation finie. Donc si je fais un schéma, alors maintenant ceci c'était juste le schéma de ma solution à t égale 0. Maintenant je prends R ou X, V, T. Donc cette bosse était en fait vraiment juste pour t égale 0. Hein. Mais là je fais un autre schéma. Et si je prends quel que soit R0 positif, là. Alors, la solution qui a pour donnée initiale cette bulle concentrée plus ma solution U1, dans cette zone-là, donc c'est pour R supérieur ou égal à T, plus R0, va en fait dépendre que de la donnée initiale ici. Dépend que de la solution de la donnée initiale
t égale 0 pour r plus grand que r0. Or, vous voyez que si r0 est strictement positif, très petit mais strictement positif, si epsilon est très petit devant t0, la solution ici est pratiquement égale à u1. Et donc, je peux relier dans cette zone-là la solution qui part de cette bulle très concentrée plus U1 avec juste la solution qui a pour donnée initiale U1. R, T, là c'est à nouveau K, 0. Et donc les deux solutions en fait seront très proches dans cette zone-là. Voilà, donc c'est ça le principe. Donc dès que je voudrais avoir une propriété, je voudrais avoir des propriétés dans ce genre de com. Voilà. Et de même pour T négatif, mais en fait je vais simplifier toute mon étude juste pour, c'est à l'extérieur d'un code. Je vais toujours penser T positif parce que juste à la fin je vous expliquerai comment passer de T positif à T négatif dans beaucoup de raisonnements. Voilà. Alors, c'est pour ça que je vais vous introduire une nouvelle notion de solution. Donc, je vous avais introduit une notion de solution compacte. Alors, il y avait un premier théorème. Si U de T est une solution compacte, alors je vous rappelle ce que c'était, c'est prenons pour tout la définition pour, dans le cas d'une solution qui est définie pour tout est positif, voilà, c'est à dire qu'il existe lambda de T dans le cas radial tel que l'ensemble K sur lambda de T, U de T, X sur lambda de T, et la même chose pour U de T avec lambda de T puissance 3 demi, U de T, X sur lambda, donc ce sera U T cette fois-ci, lambda de T, et donc c'est un précompact, hein. Si vous prenez l'adhérence, vous êtes un compact dans H1 et précompact. Donc tout simplement l'adhérence est compacte. Dans un cas, deux, et ceci pour tout est positif. C'est-à-dire je vais jusqu'à plus infini. Bon. Alors, il y a un premier théorème qui avait été démontré, qui était si on a ça, alors on doit être égal soit à 0, soit à un W. Si on est dans ce cas-là, alors U devait être égal, disons, aux invariances de l'équation près, c'est-à-dire par scaling, à plus ou moins W lambda étant égal à 1. Cette fois-ci, lambda est une fonction fixe, enfin, est un nombre positif, ou alors W U égale 0. Dans le cas radial, hein, voilà. Alors, après, ça a été généralisé dans le cas radial, mais ça, malheureusement, cette notion n'est pas bonne. C'est-à-dire, quand on dit que c'est compact, voilà, ça veut dire que c'est une notion qui peut se voir pour T très grand, mais dans cette zone-là. En fait, si vous pensez lambda constant, c'est à peu près dans cette zone-là. Alors, ce n'est pas une zone sur lequel on peut comprendre les interactions des solutions. Et donc, on avait besoin de traduire cette propriété par une propriété beaucoup plus forte. Et c'est pour ça qu'on est arrivé à démontrer la propriété suivante, que je vais essayer de... Et c'est le but de mon cours d'aujourd'hui. Et je vous ai expliqué vraiment la démonstration de cette propriété. Alors,
l'énoncé précis, mais je vais vous le donner. Voilà. Alors, le théorème que je vais démontrer, c'est la chose suivante. Je veux vraiment me trouver une caractérisation. Je vais, alors voilà, dans cette zone-là. Alors je prends une demi-initiale quelconque, 0, U1. En particulier, voilà. Je suppose que je suis différent de lambda plus ou moins. Quel que soit lambda, quel que soit le signe, est différent bien sûr de 0, 0. Voilà. Donc on suppose ceci. Dans ces cas-là, on connaît bien la solution, c'est juste l'équation stationnaire. Hein, la solution stationnaire. Alors, je peux produire. Alors, il existe R0 strictement positif. Tel que je peux traduire, je peux canaliser sur ma 2 initiale de l'énergie qui va aller à en plus infini ici. Donc je vais trouver un canal d'énergie ici. Et tel que l'énergie, alors ceci, ça sera distant, enfin, donc ça part de R0, donc je vais spécifier. Il existe R0, il existe état strictement positif qui dépend des données initiales tel que l'énergie de la solution pour x compris alors R0 bon, je vais tout simplement peut-être légèrement simplifier voilà, est toujours supérieur à état strictement positif soit quel que soit t positif, ou soit quel que soit t négatif. Et on ne peut pas forcer. C'est une propriété un peu de convexité. On ne peut pas dire que ça va se produire forcément pour t positif, mais ça va se produire automatiquement, soit pour t positif, soit pour t négatif. Et donc, géométriquement, ça veut dire que si je ne suis pas une solution stationnaire, ça veut dire des informations que je connaîtrais en grand temps dans cette zone-là, alors je peux produire un canal d'énergie. C'est-à-dire, je peux trouver un sens dans le temps, soit t positif, soit t négatif, une quantité d'énergie non nulle, ce qui sera toujours petit d'ailleurs, parce qu'on sait travailler que pour des quantités d'énergie petites, et un rayon qu'on ne contrôle pas, qui dépend de tout ça dépend de la donnée initiale, tel que je vais produire un canal d'énergie là. Alors, ceci est une très bonne propriété. Pourquoi? Parce que en fait, cette propriété est indépendante du fait que je rajoute ou pas une, pour ma donnée initiale un pic. Pour x inférieur à R0. Et donc j'ai une sorte de principe beaucoup plus fort qu'ici, où je peux, suivant avec une demi-initiale, suivant la queue d'une demi-initiale, je peux produire explicitement un canal d'énergie qui envoie de l'énergie à l'infini. Soit pour t positif, soit pour t négatif. Et c'est cette propriété qu'on va utiliser. C'est cette caractérisation. En fait, ces notions-là ne vont pas être ad hoc. Donc, je vais me concentrer à démontrer cette propriété-là. Bonjour. Donc, voilà. Donc, c'est parti. Alors, il y a des parties intuitives dans cette démonstration et des parties techniques.
alors peut-être les parties techniques, je vous expliquerai avec des mains, et les parties intuitives, je vais vous les expliquer. C'est une démonstration d'abord qui est un peu surprenante, parce que vous voyez que, en fait, on arrive à trouver un canal d'énergie dès que la solution n'est pas une solution stationnaire, explicitement. Et c'est une façon, comme une autre, de retrouver l'unicité des solutions de l'équation elliptique uniquement avec l'équation des ondes. Voilà, donc je vais introduire quelques petites notions. Alors ça, c'est des notions que peut-être je ne vais pas parler tout de suite. Malheureusement, la seule chose qu'on connaît bien, c'est l'équation linéaire. Alors, la solution de l'équation non linéaire n'est pas égale à la solution de l'équation linéaire. C'est pas si facile que ça. Mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'à l'infini, là, comme la donnée initiale est petite, elle sera très proche de la solution de l'équation linéaire. Et donc, il y a un petit espoir de démontrer ce théorème, d'abord pour x grand. Et ensuite, il faut ramener ces informations qu'on a pour x grand pour x petit. Voilà, donc c'est deux choses complètement différentes qu'il faut faire. Alors la première étape, c'est de démontrer ce résultat, non pas tout x. Alors on va supposer qu'on n'a pas de cadeau d'énergie et on veut démontrer qu'on est égal à ceci pour tout x. On va démontrer d'abord qu'on est égal à un de ces objets pour x grand. Voilà. Et donc c'est la première proposition que je vais vous écrire. Alors, démontrer une telle propriété, ce n'est pas démontrer juste des asymptotiques, il faut démontrer des égalités. Mais en fait, voilà. Donc, je vais écrire la première proposition. Ah. Alors, soit une solution globale pour T. Positif. Alors, la première chose qui est un peu plus compliquée, je vais prendre une solution globale pour T positif et T négatif. Donc on a déjà travaillé comme ça. Et je suppose je n'ai pas de canaux d'énergie. Voilà. Alors, donc je n'ai pas de canaux d'énergie, ça veut dire quoi? C'est la limite. Quand T tend vers plus infini, quel que soit l'air, voilà, positif, de la norme de U de T, T de T. Donc x plus grand que r plus t est égal à 0. Voilà. Alors, je veux montrer qu'il existe un lambda strictement positif tel que la donnée initiale est exactement égale, disons à au signe près,
une parenthèse de trop, pour R plus grand qu'un certain RV. Pas forcément égal à R. Enfin, alors, évidemment, en utilisant la vitesse de propagation infinie, on peut démontrer cette propriété. Il suffit de l'avoir pour un R et on trouve pour un RV. Donc j'ai juste simplifié un peu cette propriété. Voilà. Ou alors, U égale 0. Hein. Excusez-moi, j'ai oublié une parenthèse. Voilà. Bon, donc je veux démontrer cette propriété-là. Alors, juste une chose, d'abord, comme je vous ai dit, il faut que ceci déjà soit vrai au niveau linéaire. Donc, prenons une solution de l'équation linéaire et vérifions que si on n'a pas de caillot d'énergie, alors forcément la donnée initiale est égale 0. Hein, l'objet W n'existe pas au niveau linéaire. Juste une remarque. Mais c'est essentiel. C'est pour ça que la dimension 3 est plus simple que les autres dimensions. C'est qu'on peut travailler avec... alors, une transformation de la solution... qui vérifie aussi une équation des ondes en dimension 1. Alors, je prends R positif, R c'est une nulle. Donc, l'équation des ondes en dimension 3, donc c'est URR, le Laplacien s'écrit comme 2 sur R, UR, R, U5. Voilà. Et maintenant, je considère V égale RU. Voilà. Alors, je vais regarder que vérifie cette équation-là, que vérifie cette fonction-là. Et donc, ce que je vais faire, je multiplie cette équation par R. Ce que je peux obtenir, c'est que la dérivée seconde par rapport à T de V égale R UR. Plus, alors les deux, donc je vais développer déjà, donc ça sera 2 UR, voilà, plus R, U5. Ah, mais excusez-moi, je ne vais pas travailler avec U5 tout de suite, bon, alors je vais garder U5, mais pensez au cas linéaire d'abord. Et maintenant, je vais calculer VRR. Qu'est-ce que c'est? Alors, VR, d'abord, c'est RUR plus U. Et VRR, ça sera RURR. Ensuite, quand je dérive ceci ou je dérive ceci, j'obtiens 2 UR. Voilà. Et donc, cette transformation simplifie l'étude en dimension 3, et donc ce que j'obtiens, c'est VRR. Plus éventuellement, dans le cas RU5. Non linéaire, ceci. Alors maintenant, je dois vérifier cette équation pour l'équation des ondes en dimension 1, je dois vérifier cette propriété-là. En fait, je suis en train de vous montrer comment on a eu l'idée d'introduire ces notions-là. Alors, ce qu'il faut savoir pour l'équation des ondes, par ailleurs, toutes ces propriétés que je vous explique peuvent être démontrées dans un certain cadre non radial, hein, avec un peu de travail. Hein. Donc, là, je vous explique le pourquoi des choses, dans le cadre le plus simple possible. Donc, ce que j'ai comme équation, c'est VTT égale VRR pour l'équation linéaire. Alors, j'essaye de comprendre. Alors, il y a un petit problème. Il y a un premier problème, c'est que l'énergie de V... Alors, l'équation des ondes en dimension 1 se comporte bien par rapport à la norme énergétique de V.
Donc la bonne quantité à regarder en dimension 1, c'est VR plus VT. Alors pour R plus grand que R0, plus T éventuellement. Alors qu'est-ce que c'est ceci donc DR. Alors il faut remarquer que ceci, ce n'est pas exactement l'énergie de U. Alors, je vais vous continuer. Mais c'est pour ça qu'on va pouvoir faire nos démonstrations. Donc, l'énergie de U, pour X plus grand que R0 plus T, c'est quoi? C'est en coordonnées sphériques, hein, donc comme je suis radial, c'est UR plus UT, le poids c'est R2 dr. Voilà, donc je veux travailler avec ces quantités-là. Alors je prends faire intervenir ma fonction V. Je suis pour R, donc R c'est le module X. Maintenant, R plus grand que R0 de T. Et j'ai R UR au carré plus R UT au carré. DR. Alors regardez, VR c'est égal à cette quantité-là. Donc ceci, je l'écris. Donc je développe, c'est R2 UR, donc ça se ressemble beaucoup. Il y a ensuite un terme U2. Alors, excusez-moi, donc je dérive, VR, I, et le terme 2 R U. Alors maintenant, le terme, je suppose que toutes mes fonctions, alors, plus VT, donc plus RUT, le tout carré. Alors maintenant, j'intègre par partie cette quantité-là. Alors l'intégration par partie va faire exactement disparaître le terme U2. Hein, ceci, c'est R, U2, R. Donc quand j'intègre par partie, le terme U2 va disparaître et il va juste me rester le terme de bord. Parce que donc à l'infini j'en ai pas, mais en R0 plus T j'en ai. Et donc ma quantité est égale à l'intégrale de R plus T. Donc, aux quantités que j'avais là, R2UT carré plus RUT carré. Et le terme de bord, alors il arrive, je me trompe toujours dans le signe, donc quand j'intègre, c'est... je dérive, et donc... ça arrive avec un terme plus. Je juste vérifie si je ne me trompe pas. Voilà, donc si, un terme moins, pardon. Donc j'ai R. Alors je vais l'avoir en R0 plus T. U. De T. R0. Donc j'efface ce terme là, voilà. Et ceci est signé, hein. C'est un terme qui est un signe. D'accord. Donc cette quantité là, en fait, est essentiellement égale à l'énergie en dehors du cône à un terme de bord près, d'accord, qui est signé. Alors pourquoi je dis tout
tout ça. Alors maintenant, je vais revenir à l'équation en dimension 1 sur V. Ce que je veux démontrer, c'est que pour l'équation linéaire en V, si V est non nul, je peux toujours trouver un canal d'énergie pour l'équation en dimension 1 sur V. Alors pour l'équation en dimension 1, VT égale VRR. Alors vous savez tous que les solutions de l'équation des ondes en dimension 1, c'est V de T de X de R est égal à F de T moins R, T c'est pareil, plus G de R plus T. Voilà. Donc, si vous prenez là les dérivées en R et les dérivées en T, l'une va être égale à la somme, la somme des dérivées partielles et l'autre à la différence. Et quand vous allez développer l'énergie au carré, vous allez obtenir donc c'est égal à F état, disons, carré en R moins T. Donc ça sera 2 fois plus G carré plus T carré. Voilà. Sauf que cette quantité-là va disparaître quand vous intégrez, quand vous irez. J'ai effacé tous mes colonnes d'onde. Donc, quand vous allez dans cette direction, cette quantité-là va disparaître. Et quand vous allez dans cette direction, cette quantité-là va disparaître. Et donc, si on n'avait pas de production de channel, on démontrerait que F et G sont égaux à 0. Hein? Donc, pas de channel, pas de canaux d'énergie. V, ça implique F, bon, les dérivées partielles, mais comme c'est égal à 0, et c'est pas possible. Donc c'est en fait, donc pour l'équation en dimension 1, les canaux d'énergie sont complètement naturels. Alors maintenant, c'est pas exactement la même équation, mais on va essayer de s'y ramener. Et en fait, la procédure pour s'y ramener va nous introduire les outils pour démontrer mon théorème. Voilà. Alors. Voilà. Alors, je vais introduire. Donc ça c'était juste pour vous expliquer d'où ça veut, tout ce que les choses qui vont venir, d'où elles viennent. Alors maintenant je vais introduire un premier lemme important qui est relié au fait que U et V la première conséquence, mais c'est un lemme technique essentiel. Voilà, si on ne produit pas de canaux, là, alors on est toujours à démontrer cette proposition. Pour R grand, le premier lemme, donc tout ceci se fait pour des normes énergétiques de la solution petite, hein, parce que je sais travailler que pour les solutions petites. Donc je suppose que ceci, l'énergie de ma donnée initiale à partir de R0 est petite, un certain delta 0. Alors pour
dès que delta 0 est assez petit, je peux faire une estimation qui est la chose suivante. Si j'ai une solution qui ne produit pas de cadeau d'énergie, plus U de T, alors, ne produit pas de cadeau d'énergie, donc je vais appeler cette propriété P. Vérifie. P. Alors, donc, je peux démontrer que des choses sur la donnée initiale, maintenant, parce que je veux avoir des informations sur la donnée initiale. Alors, j'ai une estimation sur l'énergie, alors en particulier pour tout R plus grand que R0, hein, que ceci est vrai dès que c'est delta 0 est petit, avec delta 0 inférieur à delta star, cette fois-ci universelle, qui dépend que de la dimension. Donc l'énergie en V inférieure à une constante universelle V0 de R0 puissance 10 sur R0 puissance 5. Alors, une autre façon d'écrire les choses, c'est de démontrer la chose suivante. Ça implique aussi donc petit i, 2i, qui est un corollaire de cette estimation-là. Quel que soit R plus grand que R0, R' compris entre R et 2R, alors d'abord je vais démontrer que ma donnée initiale n'oscille pas. Et je vais préciser. Donc V0 de R moins V0 de R' est inférieur à une constante, mais avec le delta 0 ici, V0 de la borne. Alors je vais prendre R. J'aurais pu prendre R', mais c'est, je vais prendre la borne. Voilà. Donc, si en particulier, vous voyez, si delta, alors C0 est à nouveau universel, si delta 0 est petit, la fonction déjà ne peut plus s'annuler. Hein. Bon, c'est une première estimation. Alors, il faut juste, je vais juste vous rappeler une. Donc, il faut penser ce nombre très petit. On va travailler, on va fixer. Donc, C0, on n'a pas de contrôle, mais le delta 0, on a du contrôle. Donc, on va penser ceci égal à inférieur à un dixième, par exemple. Voilà. Donc, en particulier, voilà. Donc, quand c'est inférieur à un dixième, on ne peut plus s'annuler, sauf si on s'annulait, alors la fonction serait essentiellement identiquement nulle. Voilà. Hein, c'est. Alors, V0, j'ai oublié de vous faire. Alors, déjà, c'est une propriété qui est très forte, parce que juste par la bonne simple raison, qu'est-ce qu'on a comme estimation sur V0? Alors, on sait que U0 est dans H1 point, donc V. Donc, si la seule estimation que j'ai sur U0 et V0, c'est la chose suivante. Donc, je vais passer ici, je vais effacer ma. Si U0 appartient à H1 point radial, donc j'ai un hardy, donc U0 appartient à H1 point. Voilà, donc ça implique que U0 de R ponctuellement est toujours inférieur à une constante qui dépend du gradient, hein, la norme du gradient, sur R puissance 1,5. Et donc si on ramène ça à V0, on a V0 de R qui est inférieur à C, R puissance 1,5. Hein. Donc, en fait, V0 n'est,
actuellement pas une fonction qui est bornée. Hein. Alors, notre but, c'est de démontrer que V0, d'abord, est borné. Et pour ceci, on va utiliser des estimations de ce type-là, donc qui sont déjà très très fortes. Hein. Vous voyez que ça, si vous avez juste cette estimation-là, vous ne pouvez pas avoir ce genre de choses. Voilà. Alors, la première chose que je vais dire, c'est très simple, c'est que, en fait, ceci implique ceci. Donc, allons-y, c'est pas très compliqué. Donc, première remarque, donc on va démontrer ceci. Voilà. Petit i implique 2i. J'avance un peu lentement. Mais en fait, j'ai besoin de vous introduire un peu les idées derrière, parce que sinon vous allez voir que les démonstrations tombent du chapeau un peu partout. Là. Après. Alors, juste une remarque, comment on fait ça? Alors, j'ai une estimation sur la norme H1 point de V. Donc j'y vais, donc j'utilise pas ceci. Hein. J'enlève, je vais utiliser que ceci. Donc j'utilise tout simplement V de R prime, c'est intégrale de R à R prime de V de S, V0 de S de S. Voilà. Maintenant je fais Cauchy-Schwarz. Comme R et R prime sont compris, R prime est compris entre R et 2R, donc là, cet intervalle est majoré par la taille R. Donc dans Cauchy-Schwarz, je majore par racine de R. Et le Cauchy-Schwarz m'introduit cette quantité-là, là, entre R et 2R, qui est un intervalle inclus dans R0 plus infini. Donc je peux utiliser cette estimation-là. Mais je vais l'utiliser. Je vais l'utiliser en. Je ne vais pas l'utiliser en R, mais pas en R0, mais en R. Je vais dire que ceci marche dès que j'ai cette information-là. Donc ceci est toujours vrai, quel que soit R plus grand que R0. Voilà. Et donc ce que j'obtiens. Donc j'ai la racine de V0 puissance R, donc puissance 5. Donc j'ai racine de ça, j'ai une constante racine de C0, si vous voulez, racine de C0. Et là, la puissance 5, donc c'est un R puissance 5,5. Donc j'ai pris la racine. J'utilise Cauchy-Schwarz, donc racine de ceci en R, et majorée par la même quantité avec V0 de R, et R puissance 5. Donc quand je prends la racine de tout ça, j'obtiens ceci. Alors les puissances 1,5 disparaissent, et qu'est-ce que j'obtiens? J'ai 1 sur R2, racine de C0, V0 de R puissance 5. Alors je vais écrire l'estimation, je dois relier, alors cette estimation est très large, mais en fait elle est très bonne, voilà, donc, mais je vais l'utiliser, je vais faire ma première estimation là-dessus. Donc moi ce que je sais, c'est que V0 est inférieur à cette quantité-là et cette quantité-là, comme c'était la norme H1 et que c'est inférieur à delta 0, donc R plus grand que R0, j'ai en fait ceci, delta 0. Alors, je veux bien en perdre, mais pas trop, parce que je vais utiliser... Alors, d'ailleurs, voilà, donc je vais utiliser... Je veux... Alors je ne sais plus où j'avais écrit ça, en effet. Donc, j'ai une première estimation. J'ai oublié de l'écrire parce que je vais l'utiliser après.
Donc c'est racine de C0, V0, puissance R, puissance 5, sur R2. Voilà. Alors maintenant, je veux récupérer celle-ci. Alors ce que je vais faire, je vais utiliser racine de C0, R puissance 1/2, V0, puissance R, puissance 4. Moins 1/2, donc là j'en ai R au carré, c'est R puissance 4 puissance 1/2. Voilà, et je garde un V0. Alors maintenant j'utilise cette estimation là, qui est grossière, mais qui va me donner une première estimation, donc c'est racine de C0. Là j'avais plutôt comme j'avais pris la norme au carré, et donc puissance 4, donc j'obtiens un carré V0 de R. Voilà. Donc, en fait, cette estimation est bien meilleure, et c'est celle que je vais utiliser pour gagner l'écran après, mais pour commencer, j'ai besoin d'avoir cette estimation-là, qui me dit déjà que V0 n'est pas une fonction qui oscille, hein, pour delta 0 petit. D'accord ? Voilà, donc voilà pour le petit i. Pour le 2i, je vais vraiment utiliser la propriété de non-dispersion. Et on va le faire après la pause. Voilà. On va faire une pause de 5 minutes. Donc, maintenant, vous pensez toujours qu'on travaille pour delta 0 petit, car c'est un peu le but de tout ça, c'est de commencer la méthode, c'est-à-dire avec une norme pour x, enfin pour r plus grand que r0, énergétique de la deux initiales inférieure à delta 0. Et on va essayer de démontrer vraiment qu'on est exactement égal à une fonction w, ou alors 0. Bon, alors il faut utiliser ce que je vous ai dit, c'est que... Bon, peut-être là, maintenant, ça va être assez court, mais c'est assez difficile. Comment obtenir ces choses-là? Donc, j'en étais là. Donc, je vais effacer ça. Oui. Donc, la première chose, c'est la théorie de... petite data. Alors, petite data, des petites données initiales. Alors, malheureusement, nous, on a des grandes données initiales, mais comme je vous ai dit, à l'infini, c'est... donc, j'ai U0 de R, hein, jusqu'à R plus grand. Là, c'est R0. Et j'ai U1. J'oublie U1, parce que c'est pas une donnée initiale qui pose problème. Alors, je vais... me ramener à quelque chose d'une donnée initiale petite, donc je vais oublier le U0 de ce côté-là, donc c'est une chose comme ça, et je vais en prendre une autre donnée initiale telle que U égale U0 de R0, ici jusqu'en 0. Alors, la bonne nouvelle, que si vous prenez la norme H1 point de cette, la norme énergétique de cette donnée initiale, et vous coupez à 0 pour U1. U1, vous le ramenez à 0. Donc ça, mais par contre, vous ne pouvez pas ramener à 0 U0. Ça ne marche pas. Ce n'est pas une bonne façon. Alors, la norme énergétique de cette solution, c'est exactement... intégrale pour R supérieur R0 de U0. Donc la norme énergétique de cette donnée initiale sur tout l'espace est exactement ceci. Donc si ceci est petit, je peux appliquer mes théorèmes de petites données initiales sur mon équation non linéaire. Alors vous allez me dire, mais c'est pas la même équation. Alors maintenant j'utilise la vitesse propagation finie. Si je les
pour cette nouvelle donnée initiale, je construis une solution. Alors, c'est ma nouvelle donnée initiale, c'est U tilde 0, qui est égale donc à U0 de R pour R plus grand, et U tilde de 1 égale U1 de R pour R plus grand que R0, et 0 sinon là. Alors, mes deux solutions, donc cette solution est définie pour sur tout l'espace, espace-temps, ces petites données initiales, des globales et S4, et en plus, j'ai la propriété suivante, c'est que les deux, que U0, U de T et de R va être égal à U tilde de T et de R pour R plus grand que R0 plus T. Hein, c'est la vitesse propagation finie. Et ça tombe bien, c'est exactement dans la zone sur laquelle je veux faire des estimations. Donc, c'est voilà, une première façon de se ramener à petites données. Et donc, si j'applique mes théorèmes de classique comme de point fixe dans L8, hein, je vais obtenir la chose suivante. L8 espace-temps, avec mes normes de Stricart, j'obtiens U tilde, la norme globale de U tilde de T, moins, alors c'est un peu compliqué, la norme, la solution linéaire qui a pour de nouvelles données initiales ceci. Donc non seulement je regarde la solution non linéaire par rapport à ceci, mais je regarde aussi la solution linéaire qui a celle-ci pour données initiales. Bon, j'ai le droit, hein. Donc, tout ça, c'est des petites solutions. Et donc, la norme énergétique pour tout temps est majorée par la norme... Comme je fais un théorème de point fixe par petit, donc essentiellement c'est égal à ma solution linéaire. Et je peux dire la différence, comme j'ai un terme U5, la différence pour delta 0 petit, bien sûr. Alors je vais écrire tout simplement les données initiales. Excusez-moi, donc c'est H1 croix L2, oui, c'est H1 croix L2, puissance 5. Donc la norme, si vous voulez, donc je vais l'écrire d'une façon plus synthétique. Donc c'est dru0 carré d u1 carré. R2DR pour R plus grand que R0. Alors maintenant, donc c'est puissance 5, donc là je passe à 5,5. Voilà. Donc voilà ce que me dit la théorie des petites données initiales appliquées à cette donnée initiale, pour cette nouvelle donnée initiale, R0. OK ? Maintenant, j'ai quelque chose de très bien ici. J'ai une solution linéaire. Donc, je vais appliquer mes channels d'énergie pour l'équation linéaire. Alors, Alors, je continue mon calcul, d'ailleurs. Je fais la transformation que je viens d'effacer juste ici. Et entre U et V, et ce que j'obtiens... Le calcul, parce que les constantes sont, le signe des constantes est très important, donc ça donne intégrale de R0 à plus infini, donc d sur dr de V0, hein, V0 étant égal à RU0 carré, V1 carré, dr plus. Alors, je le garde en U0, ça sera peut-être... enfin, on pourrait écrire de R0, le terme de bord.
dans l'intégration par partie, entre le, pour les relations entre les normes entre ces deux quantités-là. Hein, quand j'intégrais par partie le terme R, UR, R, qui est annulé exactement le terme U2 dans l'intégration par partie, à un terme de bord près, qui intervient avec ce signe-là. Le signe est plus. Là. Alors maintenant, j'ai ça, j'ai toujours 5 demi. Voilà. Donc, j'ai une bonne quantité là. Maintenant, je regarde cette partie-là. Donc, il y a quelque chose de très rassurant dans cette quantité-là, c'est que j'ai la norme énergétique d'une solution linéaire. Et ceci est vrai pour tout temps, hein, bien sûr, quel que soit T. Alors, je ne vais pas l'utiliser de partout en X, enfin, quel que soit T, appartenant à R. Je vais juste l'utiliser là où je sais que mes solutions sont égales. Là. Donc, j'écris ponctuellement pour... je vais peut-être mettre au carré, ça sera plus simple. Voilà. Je l'utilise uniquement ici. Et donc, en particulier, dans cette zone-là, je peux remplacer utile par U. Alors, peut-être je vais aller plus doucement. Alors aussi, pour l'équation linéaire, ce que j'ai démontré pour la vitesse de propagation finie pour l'équation non linéaire, aussi vrai pour l'équation bien sûr linéaire. Enfin, ça se démontre comme ça. On démontre pour la vitesse de propagation finie pour l'équation linéaire et on passe à l'équation non linéaire. Et donc je peux passer aussi, j'ai une commutation que dans cette zone-là, l'équation linéaire de Utide est aussi égale à la solution linéaire de l'équation U. Hein. Bon, ça c'est. Voilà. Et donc, ce que j'obtiens, donc j'ai la solution linéaire commençons par les choses simples. Je vais tout de suite développer. Donc j'utilise ceci que dans cette quantité-là. Utile est égal à U. Je vais mettre linéaire d sur dt, donc la norme énergétique au carré, d sur dt. De D sur DR, l'équation linéaire. R de DR. Donc, comme j'avais une estimation sur la différence, je peux utiliser que la solution linéaire est majorée par la différence plus... Donc, je dis que c'est tout simplement U moins UL au carré, à une constante près, donc il y a peut-être des deux qui apparaissent là, plus l'estimation D sur DR de U carré, ainsi de suite, hein, avec UT. Maintenant, sur cette différence, c'est égal, donc je peux utiliser cette estimation, et j'obtiens ceci. Et donc, ce que j'obtiens, disons à une constante près, 2 ou 4,
j'obtiens que, l'estimation sur la solution linéaire est majorée par l'intégrale de R à R0 plus T de cette quantité-là, dont la solution non linéaire, hein, vous avez compris hein, ce que j'estime. J'estime de ce côté-là, sur le channel, la solution linéaire. Donc, en général, c'est le contraire qu'on fait. Hein. On estime la solution non linéaire par la solution linéaire, mais moi, j'inverse. Donc, j'estime la solution linéaire par la différence de la solution linéaire par rapport à la solution non linéaire, plus la solution non linéaire. Donc, a priori, ce genre d'estimation, on dit ça ne sert vraiment à rien, parce que vu que ça, on ne connaît pas, ça ne va pas donner d'informations. Mais là, en fait, ce n'est pas vrai, car moi, je pars d'une information non linéaire. La propriété P est une information non linéaire. D'accord ? Donc, Donc, en général, ce genre d'estimation est caduque d'entrée de jeu, parce que, si vous voulez, on ne fait pas ce principe-là, on fait l'inverse. Mais dans ce cas-là, mon but, c'est de partir de, non pas d'estimation linéaire, mais d'estimation non linéaire, et en déduire, je pars d'une estimation non linéaire, j'en déduis une estimation linéaire qui me donne cette estimation ponctuelle que je cherche. Donc voilà, R2 dr, et plus une constante, une autre constante que je ne vais pas préciser. R, donc la quantité là que j'avais là, puissance. Alors, comme j'ai mis au carré tout ça, donc ça va faire puissance 5. Et donc, le tout est puissance 5. Voilà. Alors, maintenant, je vais utiliser pour l'équation linéaire la propriété que je vous ai démontrée précédemment. Donc, je vais utiliser la propriété de Channel que j'ai démontrée sur V linéaire, l'équation de V linéaire. Hein. Rappelez-vous, VL TT égale VL RR. Et donc j'avais une estimation, je savais produire un channel d'énergie qui prenait au moins un demi de la taille de l'énergie, soit pour T positif, soit pour T négatif. Donc je vais dire tout de suite, je vais partir de cette information-là. Donc, ceci maintenant, ça majeure, je vais perdre à nouveau. J'utilise ce même calcul qui relie l'énergie maintenant sur linéaire sur ça, mais c'est du bon. Donc ceci est égal à ceci. Donc comme j'ai une estimation sur ceci, j'oublie ce terme-là en R0 plus T et j'obtiens une estimation parce que je vais utiliser cette estimation pour T grand. Donc ça n'a pas d'importance. Ce terme-là va être petit et donc je ne perds pas trop. Et donc ce que j'obtiens. C'est la solution linéaire de V, donc T plus R, au carré, plus la solution T linéaire en T plus R. Donc là, c'est le bon côté. J'utilise à nouveau l'estimation sur l'équation linéaire, donc j'ai un VL. Attention, ce n'est pas, c'est le V de l'équation linéaire. Et donc, quand je relis ça, non plus en R0, mais en R0 plus T, comme ce terme arrive avec un signe positif, je majore toujours cette quantité-là.
Donc ceci est bien supérieur à tout, est bien inférieur à tout ça. Alors vous voyez, pour l'instant je n'ai pas gagné, parce que j'ai cette quantité là. Ça, ceci, quand t tend vers plus de l'infini, va tendre vers 0, mais ceci, c'est pas relié à ça. Mais maintenant, je vais utiliser le calcul que j'ai fait précédemment pour le channel d'énergie pour l'équation 1D. Qu'est-ce que j'ai dit? J'avais F, G, et je pouvais toujours trouver un channel d'énergie, soit en F, soit en G, qui prenait au moins la moitié de l'énergie. La moitié, parce qu'en fait, les calculs sont explicites. Alors, c'est juste une suite de manipulations simples. C'est juste l'ensemble qui est un peu compliqué. Alors, donc, ce que j'obtiens par les channels d'énergie de l'équation linéaire, je peux trouver soit pour T positif ou T négatif, mais pas les deux. Hein. Donc, là, je vais prendre le T positif. Je vais dire que ceci est toujours supérieur à 1/2, enfin, la constante était vraiment explicite, fois la norme, ben, cette quantité-là. Donc, VR de V0 plus V1 T DR. Pour R supérieur à R0. Hein, voilà, et donc j'ai à nouveau toute cette quantité là que je vais appeler 1 ici. Alors vous pensez ça petit, donc ceci apparaît à la puissance 5. Donc une autre façon de travailler, ça va être d'écrire à une constante près la norme de R plus grand. Alors, vous voyez, ceci ne dépend plus de T. C'est là où j'ai utilisé le channel d'énergie pour l'équation linéaire en V. Là, j'ai une information qui dépend de T. DU sur DR plus DT de U de T R2 DT. Et plus, alors, donc, comme ceci est petit, je l'ai fait disparaître essentiellement dans ce terme-là. Et ce que j'obtiens, c'est juste U0 puissance 10, R0 puissance 5. Hein, alors, aussi, une autre façon d'écrire, c'est V0 puissance 10 sur R0 puissance 5. Ce qui rend naturelle cette estimation. Bon. Hein, voilà. Donc voilà pour ces puissances apparaissent. Hein. Alors maintenant, je vais utiliser quand T tend vers l'infini. Alors j'ai ceci soit pour quel que soit T positif ou quel que soit T négatif. Mais en tout cas pour un des cas. Ce que je sais, c'est que cette quantité-là, par hypothèse, pour l'instant j'ai toujours pas utilisé, j'ai fait que des estimations sur des petites données. Je n'ai jamais utilisé mon hypothèse, nulle part. Donc il faudrait bien que je l'utilise, mais à la dernière ligne. J'utilise que ceci tend vers quand t tend vers l'infini, tend vers 0. Bon, donc ceci tend vers 0. Et donc ce que je récupère, c'est à une constante près. Ben, c'est exactement cette estimation-là. Hein, vous pouvez juste voir que si vous remplacez U0. Remplacer V0 par R0, U0 en R0. Vous obtenez le résultat désiré. Donc voilà l'estimation sur laquelle qui est essentielle. C'est le principe de la démonstration. Voilà.
Maintenant, je vais utiliser assez rapidement cette estimation-là pour voir tout de suite que ça donne beaucoup de propriétés sur V. Voilà, bon, mais c'était la partie dynamique, si vous voulez. Donc, c'est un peu l'inverse que ce qu'on fait d'habitude. On part d'informations non linéaires, on essaye de donner, se ramener de, à des, ça implique des informations sur l'équation linéaire qu'on contrôle complètement et ça, ça nous permet de donner des informations sur la donnée initiale. Et voilà, donc voilà ce qu'on obtient. Alors, c'est tellement rigide, ce genre de méthode, qu'on va pouvoir démontrer vraiment cette égalité. Alors, telle quelle, ça va donner juste la première estimation au premier ordre. Ensuite, il faudra changer un peu l'équation sur laquelle on travaille pour démontrer le résultat final. Alors, je vais vous donner rapidement comment passer de ceci. Alors, j'ai un peu détaillé parce que je sais que c'est un peu compliqué cette estimation-là. Maintenant, je vais aller un peu plus vite. Alors, en fait, je vais toujours raisonner, je vais démontrer des propriétés pour tout R, mais en fait, il suffira essentiellement, à cause de cette estimation-là, de démontrer des propriétés pour 2 puissance n, si vous voulez. Voilà, donc c'est juste de la petite combinatoire. Donc la première chose qu'on peut démontrer, c'est qu'il existe L, éventuellement 0, mais fini, appartenant à R, tel que V0 de R moins L est inférieur à C sur R2. Allons-y. Donc on va juste utiliser ce type de propriété. En fait, très exactement celle-ci. Alors, on va d'abord améliorer l'estimation de croissance à l'infini de V0. On sait, je vous ai dit que V0, tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que V0 de R est inférieur à une constante puissance 1/2 de R. Donc, si je travaille juste pour des puissances 2 puissance n, V0 de 2 puissance n est inférieur à une constante de 2 puissance n sur 2. Alors maintenant, appliquons cette estimation-là pour quelque chose de très petit. Alors comme delta 0, je peux le choisir aussi petit que je veux, hein, parce que c'est juste l'estimation que j'avais sur la queue de la donnée initiale. Alors je peux prendre, cette constante était universelle, je prends tout de suite 1 plus racine de C0 delta 0 carré, je le majore, je peux le majorer par, je ne sais pas, un dixième par exemple. Donc c'est très proche, c'est majoré par quelque chose de très proche de 1. Alors, ce que j'obtiens par cette estimation en l'appliquant à deux extrêmes, donc vous voyez que si je suis R égale 2 puissance n, ça va, l'estimation va jusqu'à R égale 2 puissance n plus 1, j'ai V0 de 2 puissance n plus 1, alors je vais juste le majorer parce que je cherche juste à faire des estimations, donc tout ça c'est pour n grand pour être supérieur à R0, c'est inférieur à 1 plus C0 delta 0 V0 de puissance n. Voilà. Et donc, j'obtiens à une petite constante près V0 de puissance n, je le majore à par 1 plus C0 delta 0 puissance n, une constante, à constante près, une constante C1. Et donc, vous voyez, là j'ai 2, là j'ai un nombre proche de 1. Et donc, je peux démontrer pour les 2 puissance n, et ensuite en utilisant cette estimation sur l'intérieur des intervalles dyadiques, que V0, donc je ne peux pas casser la croissance polynomiale tout de suite.
Donc j'obtiens que V0 un dixième, par exemple. Voilà, donc je peux trouver n'importe... trouver une... Si je rends ce nombre aussi petit que je veux, je trouverai des nombres de plus en plus petits, mais j'aurai toujours une petite croissance polynomiale par cette méthode. Très bien, donc maintenant je reviens à... Alors là, vous voyez, j'ai utilisé cette estimation-là, et là je suis mort, hein, je ne peux plus rien faire avec cette estimation. Il faut que je revienne avec cette estimation-là, parce que j'avais énormément perdu en utilisant l'estimation sur V4, et sur V4, j'utilisais juste que c'était inférieur, que V était inférieur à R puissance 1/2. Et là, j'ai bien mieux. Donc, si je reviens sur cette estimation-là, je vais gagner très très vite. Et en effet, ça marche parfaitement. Ce que j'obtiens, donc j'obtiens que V0 de 2 puissance n plus 1 moins V0 de 2 puissance n. Voilà, donc j'ai là j'ai du 2 puissance au carré, donc c'est 4 puissance n si vous voulez, 4 puissance n. Et là j'ai par une croissance, petite croissance polynomiale que j'ai écrite là. Et donc, ça va être un 2, alors ça va être 5, alors, bon, je vois 5 dixièmes à peu près, avec un n, voilà, de puissance, alors n, je vais le mettre ici. Donc, ça reste, c'est 2 puissance 1/2, c'est inférieur, 2 puissance 1/2, c'est inférieur à 4, il n'y a pas de problème. Donc même ça, on peut majorer ça par 2, par exemple. Et donc j'ai toujours une décroissance de puissance n. Donc là, j'ai une suite de Cauchy maintenant. Donc V0 de puissance n converge à L quand n tend vers plus infini. Alors maintenant, si ça converge vers L, on utilise à nouveau mon estimation ici. Il n'y a pas d'oscillation et donc on va bien converger vers L. Non, pas celle-ci, elle n'est pas bonne. Il vaut mieux utiliser celle-ci qui tend vers 0. Voilà. Et donc j'en déduis que V de R converge vers L. Donc c'est bien meilleur. Hein. Je suis parti d'une croissance à R puissance 1/2. Maintenant j'ai V égale L. Donc j'ai énormément amélioré. Hein. C'est le principe absolu. On a des solutions qui sont ce qu'on appelle non dispersives, qui n'ont pas de channel d'énergie, alors on doit faire des gains de décroissance sur la donnée initiale. Hein, donc ce que vous voyez, c'est un principe absolu dans toutes les démonstrations, pour toutes les équations, sauf que là, c'est beaucoup plus simple, vous le voyez concrètement, c'est que pas de dispersion égale gain de décroissance sur la donnée initiale et gain aussi de régularité sur la donnée initiale. Bon, mais ça, on va pas regarder ça là-dedans. Nous, on va trouver exactement à quoi est égale la donnée initiale. Mais là, c'est essentiel. C'est des principes fondamentaux. La non-dispersion dans l'espace d'énergie implique que la donnée initiale est à forte décroissance. Alors, maintenant, j'ai V0 tend vers L. L peut être égal à 0 ou L différent de 0. Voilà, alors l'étape suivante, c'est de démontrer que si L égale 0, ben V0 égale 0. Cette propriété de décroissance est tellement forte que si, maintenant je vais que V0 tend vers une limite, si elle tend vers cette limite est égale 0, cette estimation aussi simple qu'elle est, pas celle-ci, celle-ci, hein. Estimation non linéaire qui a toute la. Alors, V est exactement égal à 0. Donc on y va. On y va. Allons-y. Alors, c'est des petites astuces. Bon. Je vais aller ici.
Alors, donc, L égale 0, ça implique que V0, du moins pour R plus grand que R0, est exactement égal à 0, quel que soit R plus grand que R0. Identiquement. Bon, alors, démontrons-le juste pour R0, hein, ou pour, supposons que R0 égale 2 puissance N0, et démontrons-le pour ceci. Alors, l'estimation, je vais utiliser cette estimation-là de façon très très grossière, premièrement. Je vais juste utiliser que V, en utilisant, c'est pour delta 0 petit, pour cette quantité-là inférieure à 1 quart, par exemple, 2 puissance n, moins V0, 2 puissance n, si c'est inférieur à 1 quart, j'ai 1 quart de V0, 2 puissance n. Voilà. Donc, V0, si ça décroît vers 0 à l'infini, hein, il n'y a qu'une estimation comme ça qui peut me donner le résultat. Ça ne peut pas décroître trop vite. Voilà. Et donc, si j'itère, alors je suppose, prenons n0 égale juste 0, ça sera plus simple. J'ai v0, 2 puissance n, qui est puissance n, bon, v0 de r0, si vous voulez. Tout ça, ça sera des constantes près, donc il y aura une constante ici, qui dépendra de r0. Et ceci est vrai pour n grand. Alors, maintenant, je vais revenir à mon estimation que j'avais ici. Donc, je fais tendre R' vers... alors... Oui, parce que j'avais une estimation... Donc j'avais une estimation sur V de puissance n moins V de puissance n, et j'avais des suites de Cauchy, et donc je pouvais estimer en sommation brutale de la suite de Cauchy, V de puissance n moins V infini, qui est égal à 0 dans ce cas-là, par la somme de la suite de Cauchy. Et donc, essentiellement, quand on intègre des suites géométriques, je trouvais 2 puissance n, on retrouve le même nombre. Et donc, j'ai par ailleurs une autre estimation. Hein, donc, dans l'estimation que j'avais des suites de Cauchy, hein, ce 2 de puissance n, voilà. Donc, quand je sommais à plus infini, j'obtenais aussi que V0, dans le cas où L égale 0, V de 0 de puissance n est majoré par une constante de puissance, bon, si vous voulez, 4 puissance n. Donc ça, c'est une constante universelle, hein, c'est 1. Bon, alors là, j'ai une majoration, mais vous voyez que la décroissance de ce que j'ai là est beaucoup plus forte que celle qui est autorisée. Donc, si je tendais vers 0, alors, en quelque sorte, ici, ça voulait dire que comme c'est assez rigide et ça empêche les oscillations, la décroissance doit être très faible vers 0. Or, ici, par les sommations brutales de plus infini, je démontre que la décroissance doit être assez forte. Et si vous rentrez ça là-dedans, vous trouvez tout de suite, hein, que V0 de R0 doit être égal à 0 pour n grand. Je ne vais pas trop vite. Là, c'est bon. Et donc, si je plug ça pour n grand, j'obtiens1 sur 4 puissance n, 3 sur n
moins n. N est grand, donc je fais tendre ça vers n vers plus infini, donc c'est ce terme-là qui remporte. Et donc ça tend vers 0, quand n tend vers plus infini. Et donc bien, ce que j'obtiens, c'est bien ceci qui est identiquement égal à 0. Donc voilà, c'est le principe de la démonstration. Mais maintenant, on ne voit pas du tout W intervenir là-dedans. Donc c'est un peu, je vous ai montré le principe de base. Alors maintenant, pour faire la démonstration avec W, ça c'est le cas L différent de 0. Alors, on y va. C'est le même principe, mais pas sur la même équation. Alors, c'est parti. Et je n'aurais pas pu terminer la... Non. Malheureusement, je voulais faire l'autre partie, c'est étendre la chose. Bon, mais là, c'est vrai que je... Peut-être... Je démontrerai aujourd'hui que cette propriété-là. J'ai peut-être passé trop de temps sur les principes généraux, mais c'est pas grave. L'important, c'est de comprendre les principes. Donc, je suis dans le cas où maintenant... J'ai cette quantité-là, elle est différente de 0, et c'est inférieur à C sur R2, quand j'intègre la suite de Cauchy, là. Celle-ci que j'avais développée. Là. Donc j'ai cette propriété-là, quel que soit R, plus grand que R0, voilà. Et maintenant, je veux en déduire que U0 égale exactement W. Alors, pour l'instant, j'ai juste... un premier développement. Alors il faut tout de suite remarquer W c'est égal à quoi? W de R. Ben, c'est le même développement, heureusement, parce que c'est 1 plus R2 sur 3 puissance 1/2. Et donc quand je développe en lambda, ben, lambda ne disparaît pas, hein, donc son comportement à l'infini pour lambda fixé, c'est quelque chose qui est relié donc si vous voulez R, cette quantité là c'était exactement C sur R3, voilà, et L dans ce cas-là était égal, alors je regarde les formules, si vous développez ou faites des calculs, vous avez une relation entre lambda et L. Donc vous pouvez trouver un W tel que vous aurez le même L. Bon, alors mon but est de démontrer maintenant que U0 va être égal à ce W-là. Alors, la seule façon que j'ai de faire, c'est de travailler sur l'équation des différences. Alors, tout ce que j'ai fait autour de 0, maintenant, je vais devoir le faire autour de W. Quand je regardais l'équation linéaire autour de 0, donc qui était juste l'équation linéaire, maintenant, je vais devoir remplacer ça par l'équation linéarisée autour de W. Alors, c'est tout un travail... Et a priori, tout de suite, on va dire ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout parce que les propriétés de l'équation linéarisée autour de W n'ont aucun rapport avec l'équation linéarisée car c'est une équation dégénérée, etc. Mais moi, je m'intéresse qu'au comportement loin de zéro, asymptotique, et c'est pour ça que je vais m'en sortir. Sinon, l'équation linéarisée autour de W et l'équation linéarisée ont peu de rapport. Sinon... Okay. Mais comme je m'intéresse que à des comportements asymptotiques dans les cônes, je vais pouvoir relier ces objets-là. Donc j'introduis H égale U moins ce W, lambda 0, qui vérifie avec mon L0 là, voilà, avec le même. Et j'introduis les mêmes quantités, grand H égale RH.
et ainsi de suite. Alors, que vérifie l'équation ? L'équation de H ne vérifie plus l'équation standard, mais elle vérifie une autre équation qui est exactement l'équation linéarisée autour de W. Alors, je vais vous écrire. Alors, il y a un lemme technique. Je vais un peu le. Vous allez écrire. Donc vous allez, ce lemme technique, a priori, vous allez dire qu'il y a peu de rapport avec mon objectif, mais en fait, juste par une petite remarque, on va se voir que ça marche bien par la suite. Donc, l'équation de H, elle vérifie l'équation. Donc, bon, je développe, ça n'a pas trop d'importance, donc c'est un V4. Alors, V va être égal à W, essentiellement. W de R, hein. Donc W, c'est une solution qui ne bouge pas. Alors, prenons lambda 0 égale 1, comme ça c'est plus simple. Donc mon V va être égal à W. Donc plus des termes, V3, H2, ainsi de suite, plus H5, hein, qui sont tout simplement égaux à W moins H moins W5. Mais je développe. Alors, et j'ai oublié le Laplacien là, excusez-moi. Donc HTT est égal au Laplacien de H plus A. Mais il ne faut pas le voir comme ça, il faut le voir comme ça. C'est très important de le voir comme ça. Alors, comme on sait toujours, là j'ai oublié un H. Voilà, le terme. Donc, à cause de ceci, cette équation-là a peu de rapport avec l'autre. Hein. Parce que c'est l'équation linéarisée autour de W. Le reste est petit. Donc on peut, si on comprend ce terme-là et ce terme-là, les autres sont intermédiaires, donc on oublie. Donc simplifions-nous la vie. Bien, bon, c'est pas. Oublions ça. Alors, moi je sais faire que des choses perturbatives. Donc ceci n'est pas un terme petit. Hein, quand on regarde une solution linéaire, ce n'est pas un terme petit. Mais maintenant, je pars de cette remarque suivante. Moi, la solution linéaire ne m'intéresse pas, en fait. Ce n'est pas un objet qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est une autre équation. Donc, V égale W. Alors ça ne m'intéresse pas. Parce que je ne travaille que dans mon channel. Hein, donc je travaille que de... Non, ce qui m'intéresse, c'est V égale W de R fois la fonction caractéristique pour R plus grand que R0 plus T. Ah, ça change tout, ça. Parce que cette fonction-là, en fait, ben, elle ressemble pas du pour R0 petit, n'est pas... C'est un terme qui est linéaire toujours, hein, donc de la même taille, mais je peux faire une théorie critique. C'est qu'en fait, pour R0 assez grand, ce terme-là peut être contrôlé par une petite quantité fois la denie initiale. Et donc, là, je ne travaille plus maintenant sur l'équation linéarisée autour W. Je m'intéresse qu'à une équation qui a ce terme-là, ici. Alors, vous me direz, ça a peu de rapport. Mais comme je m'intéresse à mon équation uniquement ici, les deux solutions coïncident. Et ce qu'on peut démontrer... Alors, je n'ai pas un terme puissance 5 comme dans le cas non linéaire, mais je peux démontrer que si R0 est grand, dépendant de W, bien sûr, mais ça... Je fais un théorème pour R0 grand. Hein. J'ai toujours que le sup pour
ce V ici, V de T et de R, donc je remplace, c'est plus un V de R, mais un V de T et de R. Le fait qu'il y ait un T est bien meilleur que V de R, tout court. Et avec cette... Donc si R0 est grand, je peux toujours démontrer, pour le sup, pour T appartenant à R, de la solution H de T, moins la solution linéaire alors l'estimation va être bien plus mauvaise que dans le cas que dans le cas non linéaire, mais ça va me suffire, est égal à alors la solution linéaire, je m'entends, ça vérifie l'équation HL TT égale laplacien de H. Je n'ai pas de terme en V. Excusez-moi, il n'y a pas de TT là. Donc L. Donc c'est la vraie solution linéaire. Je ne parle pas de. Donc ce terme-là, par des estimations en espace-temps, je vais utiliser que ce potentiel est petit en espace-temps pour le digérer par la méthode d'itération de Picard dans, en espace-temps. Et comme j'utilise l'espace-temps pour estimer la norme ponctuelle, je vais retomber sur mes pieds. Donc pour R0 grand, je vais démontrer que cette quantité-là est vraie. Donc la donnée initiale, H1, je crois L2, non, H1. Donc, la solution de cette équation, qui a priori est peu contrôlable, dans ces zones-là, se comporte essentiellement comme la solution linéaire. Et donc, si j'ai un channel pour la solution linéaire, j'ai bien ce qu'il me faut. Voilà. Donc, c'est le principe de démonstration. Alors, tout va être plus technique que précédemment, parce qu'autour, maintenant je ne travaille plus autour de 0 mais autour de W, ou plus exactement autour de cette fonction V là. Alors là c'est la méthode d'estimation de Stricast en espace-temps. Bon, c'est technique, mais à nouveau j'utilise la criticité de mon équation là-dedans, hein. Et donc si j'ai un channel sur HL, je vais en déduire des estimations non linéaires. Et en fait, ce qu'on arrive à démontrer, alors je reviens là, voilà, c'est l'estimation suivante. Donc en appliquant le même principe de démonstration sur l'équation de H, alors si H égale RH, comme j'avais introduit précédemment, donc ça correspond à mon V précédemment, j'ai l'estimation plus infini dR de H0 carré, champ carré. Donc l'estimation en V est majorée par une constante H0 au carré R0 sur R0. Enfin, je peux l'écrire en R, quel que soit R, plus grand que R0. Ou un, disons, éventuellement, quitte à prendre R0 grand. Voilà. Et donc, j'arrive à démontrer une estimation du même type que j'avais sur V précédemment, que je viens d'effacer. Alors vous me direz, bon, mais tout ça c'est bien beau, mais à quoi ça sert? Parce qu'on va juste retomber sur nos pattes. Mais en fait, là j'ai enlevé le terme principal. Et donc en fait, je me suis ramené essentiellement pour ma nouvelle équation au cas L égale 0. Parce que comme j'ai soustrait le W qui avait exactement la même limite L en plus infini, quand je travaille sur la différence, je suis dans le cas L0 égale 0.
pour ma nouvelle équation. Alors, il fallait, la difficulté était de démontrer une estimation du même type là-dessus. Mais j'y suis arrivé. C'est plus technique, mais les principes sont les mêmes. Chaque fois, au lieu de travailler sur l'équation linéaire, je travaille sur l'équation un peu différente, là. Mais je la vois comme une perturbation de l'équation linéaire, et ça marche bien. Et qu'est-ce que j'avais vu dans le cas L0 égale 0, dans le cas précédent, c'est que je démontrais que ma solution était identiquement nulle à partir d'un certain moment. Et donc, ceci impliquera, dans ce cas-là, et je vais m'arrêter là, que H0, qui est égal à R0, qui est égal à R, donc U0 de R, moins W de lambda 0 de R, est identiquement égal à 0 pour R grand, enfin R supérieur à I0. Et c'était en fait le résultat que je voulais démontrer. Donc j'ai fait aujourd'hui ma première étape. Je pensais faire les deux étapes, mais en fait il vaut mieux peut-être aller plus doucement pour démontrer que en fait être non dispersif est très 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 rigide. Donc dans ce cas particulier, je vous ai démontré que si on est non dispersif, on est exactement égal pour R grand à une solution stationnaire. Alors maintenant, l'étape suivante va être d'utiliser la méthode des la méthode dont j'ai cette information qu'on est égal à une solution stationnaire pour R grand. J'ai supposé que je ne suis pas égal à cette solution stationnaire à un certain moment. Et je vais me passer au premier R où c'est pas égal. Et je vais étudier très précisément la solution pour voir que si donc on avait un point R où les deux fonctions commençaient à être différentes, je vais à nouveau produire un canal d'énergie. Et c'est pour ça que je vais démontrer à la fin que ma solution, non pas est égale à ceci juste pour R supérieur à R0, mais pour tout R. Bon, mais je dirai ça rapidement la prochaine fois, comment passer de R grand à R petit, mais c'est un peu le même principe. Mais je vous montrerai l'utilisation d'un tel résultat pour démontrer le résultat dynamique. Voilà. Et ça démontrera grossièrement ce papier-là. Voilà. On peut s'arrêter là. Si vous avez des questions. Voilà. Essentiellement, maintenant, je suis cet article. Hein. Enfin, je suis une partie des résultats de cet article. Mais voilà. Et donc, on a fait la partie qui était la plus. Si vous voulez, la plus délicate. Maintenant, pour la prochaine séance, vous allez voir des principes plus généraux. Là, j'utilise à fond l'équation de partout hein, pour démontrer un tel résultat. Voilà. Mais après, c'est des principes plus généraux que j'ai. Donc, un peu moins spécifiques à l'équation.